Je suis toujours un peu surpris par le comportement de plus en plus grandissant de nos contemporains à la sortie des fêtes de Noël, ou même des fêtes de fin d'année, comme on dit. Nous avons la coutume de nous offrir des cadeaux. Certains, dès le soir même de Noël, remettent ces cadeaux en vente. Cela me paraît, je vous l'avoue, blessant pour ceux qui ont offert ces cadeaux. Cela veut dire, en refusant finalement le cadeau qui est fait, que l'on ne fait pas confiance à la personne qui vous l'a remis. Pourtant, nous savons très bien qu'il y a de ces petits cadeaux qui n'ont aucune valeur réelle et qui pourtant ont une valeur du cœur. Combien de mamans ont-elles reçu des dessins de leur enfant qui, malgré l'inesthétisme de ce dessin, y ont perçu tant d'amour? Profitons des cadeaux qui nous sont faits comme étant véritablement un don gratuit qui nous est signifié, un don de joie et d'amitié, d'amour peut-être même, et au lieu de nous débarrasser de ces cadeaux, gardons-les en signe de cette affection qui nous lie. Ce lien est tellement précieux.